juste pour vous montrer le type de construction. Ça n'est pas pour vous, ça ne vous inquiétez pas. Viens voir. Donc ça, c'est typique des impasses. Hein? On est rentré par la rue du Mégissier et on rentre à l'intérieur et on voit qu'il y a une série de petites maisonnettes qui a d'ailleurs été toutes rénovées, ça veut dire que c'est encore occupé aujourd'hui, mais c'est vraiment tout à fait significatif de l'implantation déjà haut de gamme au niveau impasse, parce que des maisonnettes comme ça, avec un étage, avec une porte d'accès différente, c'est déjà un luxe par rapport aux certains types d'impasses qu'on peut montrer par ailleurs quand on fera le tour du quartier tantôt. La Seine circulant le long de ce mur, la Seine était de nouveau plus bas et on peut le voir au châssis des fenêtres qui sont trop bas par rapport à une implantation normale, donc la Seine était plus basse, là où sont rangées toutes ces voitures pour l'instant. Et alors, le long de ce mur se trouvait donc l'impasse Van Belle en question. Donc c'est ce long de ce mur qui a été refait, hein, on a mis des enduits pour ne pas montrer les traces de l'ancienne impasse.